le monde n'ignore les événements terribles et tragiques qui ont eu lieu, le bombardement du World Trade Center et du Pentagone. Quiconque a vu ces images à la télé a eu mal au ventre. Tout le monde a condamné cela. Qu'on puisse s'exprimer de manière si folle, quelles que soient les raisons de sa révolte. Mais nous vivons dans un monde dans lequel beaucoup de gens qui n'ont pas de pouvoir sont convaincus que si les grandes puissances ne deviennent pas de plus en plus sensibles aux demandes des pays les plus pauvres, le monde entier sera en danger. Tout en condamnant ce qui s'est passé en Amérique, nous avons tous le devoir de faire pression sur la politique étrangère et sur la politique mondiale pour qu'elle soit plus attentive à la condition des gens. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Council. La création de l'ONU était pavée de bonnes intentions, nées sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Le FMI et la Banque mondiale, son bras armé, ont été les deux piliers qui devaient guider le monde vers une nouvelle ère de prospérité. Les nations récemment décolonisées allaient tomber dans leurs bras. Pour sortir de leurs anciennes dépendances, de nouvelles industries ont été développées. Et pour sortir de la pauvreté, le commerce a été encouragé. Mais en fait, les grandes disparités entre pays riches et pays pauvres n'ont fait que susciter la défiance et la colère. Si certains manifestants sont animés par la violence, la grande majorité d'entre eux souhaitent seulement exprimer leur indignation face aux inégalités, face à une mondialisation défavorable aux plus faibles, face au refus des grandes puissances d'écouter. Au milieu des années 90, un homme nouveau est arrivé à la tête de la Banque mondiale. Il a renoncé aux ajustements structurels et a dévoilé sa stratégie de réduction de la pauvreté. Il a conseillé aux pays riches de le soutenir, les avertissant de ce qui pourrait arriver s'ils ne le faisaient pas. Il existe un problème de gens porteurs de bombes ou de poison. Le terrorisme est une nouvelle forme de conflit qui peut nous frapper n'importe où. Et je crois que si nous pouvions avoir une situation plus stable dans le monde, si nous pouvions avoir une croissance plus équitable, c'est vraiment notre intérêt de favoriser cela. Mais cela ne s'est pas produit et la contestation a grandi. Chaque rencontre internationale continue de charrier son lot de promesses et de platitudes. Wolfensohn a invité les manifestants à parler politique, mais il les a renvoyés quand ils contestaient leurs conclusions. Gênes, juillet 2000. Sommet des nations les plus riches du monde, le G8. 300 000 personnes dans les rues. Un manifestant est mort. C'était l'un des derniers grands rassemblements du mouvement anti-mondialisation. La violence a fait la une des journaux. Pourtant, à Gênes, la nouveauté, c'était la présence d'un nombre croissant de militants politiques venus de tous les pays en voie de développement, dont le Ghana. Pour eux, il faut saisir toutes les occasions pour dire aux fondamentalistes de l'économie que leur politique ne marche pas. La grande question, c'est la dette qui agit comme un levier, car elle détermine les programmes mis en place, comme les ajustements structurels, dont découlent des mesures comme la privatisation des biens publics et maintenant des entreprises de services publics, comme l'eau. La dette est à l'origine de la libéralisation de l'agriculture, des marchés, du commerce, des taux d'intérêt qui agissent directement sur notre productivité et notre capacité à participer au développement de notre pays. De retour à Accra, Hélène Wangoussa est à la recherche de témoignages. Elle a rendez-vous au marché principal avec un groupe de ses travailleurs particulièrement vulnérables. Nous sommes avec un groupe de jeunes femmes venues du Nord, coupées de leur milieu d'origine. Ce sont des manutentionnaires, des porteuses, qui gagnent seulement 15 000 cédis par semaine. Quand on voit ce qu'il leur faut pour vivre, il leur reste très peu. Décris-moi une journée de travail type.
Nous nous levons à 5 heures, arrivons sur le marché à 7. Notre patronne arrive vers 7h30. Nous ouvrons le magasin et installons les étals. Et quand les gens commencent à arriver, nous commençons à porter la marchandise. Vers 16 heures, nous démontons les étals. Quand nous avons fini, il est 5 heures et nous rentrons chez nous. Combien d'années as-tu passé à l'école? Je ne suis jamais allée à l'école. Si tu en avais eu l'occasion ou le choix, qu'aurais-tu aimé faire? Si j'étais allée à l'école, je sais que j'aurais trouvé un meilleur travail. Si j'avais été à l'école, j'aurais adoré apprendre la couture. J'aurais aimé savoir coudre. Comment la Banque mondiale et le FMI peuvent-ils savoir ce qu'est la pauvreté s'ils ne viennent pas la rencontrer au sein de la population? Ils tiennent leurs connaissances d'analyse faites dans les livres par des économistes. Leur définition de la pauvreté est différente de celle faite par les gens eux-mêmes. Ici, la pauvreté, ce n'est pas seulement des gens qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Ce sont ces filles isolées, coupées de leur milieu social. Ça comprend tout ça. C'est aussi une affaire de dignité. Les terroristes qui ont frappé New York et Washington ont choqué et horrifié la population ghanéenne. Les Ghanéens sont viscéralement pro-américains et pro-britanniques. Ici, les tensions religieuses sont rares. Chrétiens et musulmans vivent en harmonie. Mais le 11 septembre a été ressenti comme l'expression de frustration accumulée depuis quelque temps. Nous commençons à percevoir cela, même dans des manifestations comme à Gênes. Il y avait des manifestants pacifiques, mais il y avait des groupes de manifestants qui étaient beaucoup plus violents. Cela vient de la frustration des gens face à des institutions qui affirment tout savoir, qui affirment savoir comment aborder la pauvreté, ce que sont les gouvernements, et qui depuis 15 à 20 ans n'ont pas su être à la hauteur. Dans certains pays, les gens ont été patients, ont attendu plus de 15 ans une prospérité qui n'est jamais venue. La radio est le média le plus puissant au Ghana, et VIB FM est une des stations les plus influentes. Son émission la plus populaire, Point Blank, reçoit des appels d'auditeurs. L'émission est animée par Gvessi Pratt, un ancien prisonnier politique. Hello and welcome to this week's edition of Point Blank. Today we are going to look at the whole concept of globalization. Aujourd'hui, la Banque mondiale tente de se donner une image de banque à l'écoute. Les relations ont changé. La banque doit justifier sa politique à un public de plus en plus averti. Le programme d'ajustement structurel est maintenant passé au crible, avec une remise en cause des conditions imposées par les prêts. They cover all sorts of different areas. If you can just take the main ones, you know. You name it, there have been at various times, it has to be said, conditions in almost every sector. But actually, I wanted to know what those conditions are. Well, you know, they're not particularly secret, and they are sometimes, if you want to... You look quite uncomfortable talking about them. No, I'm talking about conditions. Okay. No, it's just that there are so many of them. Ce sont les nouvelles tactiques de la Banque mondiale. Débattre sur le principe et promettre des changements. Mais sur le terrain, les conditions imposées sont appliquées avec plus de rigueur que jamais. He thinks there is. Everybody thinks there is. No, it's in the IMF... You know, benchmarks. It's in it. But the last letter of intent. There's a difference between a benchmark and a condition, but that's okay. But why is a bank? But a benchmark is a condition. Why bank pushing it so hard? Why? Because the Ghana Water Corporation has failed Ghana. The people. If anybody thinks, here's a challenge. If anybody thinks they get great service from Ghana Water Company, let them phone and praise this company. This company has failed Ghanaian society. Oh, Peter, can I ask the question? Yeah. Obviously, there are many people who think that your organization has failed the people of the third world. That's true. Should we just sell it off to some multinational corporation? Good
Good morning, Adam. I'm Niyama. Actually, I would want to get this thing directed to Mr. Peter Harold. I don't like the way he's trying to deceive everybody. Now, this is the issue. The IMF World Bank policies that come with the Structural Adjustment Program and the Economic Recovery Program actually adjust government policy away from public